Je m'appelle Rémi Andrieux, j'ai 30 ans, je faisais du handball depuis 17 ans et voilà, j'ai arrêté cette année et ma dernière saison c'était à Bruges Handball 33. Je dirais que j'étais quelqu'un qui ne lâchait rien, voilà, que ce soit sur les fins de match, notamment en défense. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que j'ai été sélectionné en équipe de France jeune à l'âge de 18 ans. Ensuite, il y a eu deux montées en D2 avec les Girondins, donc une quand j'avais 18 ans et l'autre 3-5 ans plus tard. Pourquoi j'ai arrêté le hand? Je pense que j'avais fait le tour du handball, que voilà, j'avais plus progressé, je prenais plus assez de plaisir par rapport au temps escompté. Et j'avais envie de faire autre chose, donc du tennis, du sport de raquette, du foot avec mes potes. Et voilà, c'est un changement de style de vie, mais qui me convient parfaitement. Je m'appelle Mathias Kissé, je joue ailier gauche, demi-centre au club de Libourne. La saison dernière, on a fini 3e égalité avec le second qui sont les Girondins de Bordeaux. On a fait une très bonne saison en Coupe de France, en jouant des équipes quand même de plus haut niveau comme Lormont, Rodez et Bruges. C'était une très bonne saison, collectivement et pour ma part individuellement. Je finis meilleur buteur du championnat, donc je pensais plutôt par l'aide de mes coéquipiers aussi, parce que si on ne défend pas tous ensemble, que le gardien ne fait pas les parades, il n'y a pas de relance, il n'y a pas de but. Que grâce à moi que j'ai marqué 210 buts, c'est aussi grâce à mes coéquipiers. Je m'appelle Keitani Metinia, je joue au Mérignac Handball. Je joue sur la base arrière. En fait, je suis une joueuse polyvalente. Je peux jouer arrière gauche et aussi bien arrière droite et aussi demi-centre. J'adore tout ce qui est technique. J'aime bien quand je vois les jeunes d'aujourd'hui, ce qu'elles proposent, ce qu'elles font. Et j'aime bien aussi parce qu'on est, c'est un esprit d'équipe. C'est hyper bien d'être capitaine. On est au courant de tout avant tout le monde. On prend des décisions, on motive l'équipe, on leur donne envie. Je détends l'atmosphère. Parce que voilà, on a besoin aussi d'être sérieux, mais aussi on a besoin de rigoler. On est rentré dans cette salle pour s'amuser de base. Et des fois on l'oublie. Donc cette année on vise le doublé du coup. Et j'espère que vous allez venir nous voir quand même. Hein.